Chapitre du parcours 8, en orthographe, le participe passé, employé avec l'auxiliaire être. Observe les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués et réponds aux questions suivantes. Robinson était bien vite descendu de son arbre pour le rejoindre. Était descendu. Donc ce sont tous des temps composés en deux parties, deux mots. Elle était bien vite descendue de son arbre pour le rejoindre. Était descendue. Julie, pardon, et Maxime étaient bien vite descendus de leur arbre. Était descendue. Marc et Farid étaient bien vite descendus de leur arbre. Était descendue. Elles étaient bien vite descendues de leur arbre pour le rejoindre. Étaient descendues. Et vous remarquez qu'il y a les terminaisons du participe passé qui vont varier. De quoi se compose le verbe conjugué? Pour un temps composé, ici, il y a l'auxiliaire plus le participe passé. Quel auxiliaire utilise-t-on? Était, 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 était. C'est l'auxiliaire être. C'était dans le titre de l'activité. Que se passe-t-il au niveau du participe passé? Il varie en fonction du sujet. Robinson. Ceci, c'est masculin singulier. Elle était bien vite descendue. UE. C'est du féminin singulier. Julie et Maxime étaient bien vite descendus. Julie et Maxime, il y a deux personnes, un garçon et une fille. C'est le masculin qui l'emporte. Masculin pluriel. US. Marc et Farid étaient bien vite descendus. US. Elles étaient bien vite descendues. UES. C'est du féminin pluriel. Voilà. Que peux-tu conclure? Le participe passé. Employé. Avec l'auxiliaire. Être. S'accorde avec le sujet du verbe. Voilà. Et les exercices qui suivront seront très faciles. Il faudra pouvoir être capable de retrouver le sujet dans une phrase. Page suivante. À la page 47. Souligne tous les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Encadre chaque fois le groupe sujet et vérifie l'accord du participe passé avec celui-ci. Relis-le au participe passé. Je fais les premières phrases avec vous. J'ai invité les copains à venir à la maison cet après-midi pour jouer au cow-boy. Je ne vois pas d'auxiliaire être. J'ai invité, c'est l'auxiliaire avoir. Ils sont arrivés avec toutes leurs affaires. Rufus avait mis la panoplie d'agents de police. Ta 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 ta. Souligne les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Voilà. Encadre chaque fois le groupe sujet. Vérifie l'accord du participe passé.
Avec celui-ci, relie-le au participe passé. Ils sont arrivés. ES. Eudes portait le vieux chapeau boy scout de son grand frère et deux étuis dans lesquels il y avait des revolvers terribles avec des crosses faites dans le même genre d'os que le poudrier que papa avait acheté à maman après qu'ils se sont disputés à cause du rôti qui était trop cuit. Alors, je viens de trouver portait. Pas d'auxiliaire. Il y avait pas d'auxiliaire. Le que papa a acheté, c'est l'auxiliaire avoir. À maman, après qu'ils se sont disputés. Se sont disputés. Je souligne le verbe. J'encadre le sujet. Et je relis au participe passé. Voilà. À cause du rôti qui était trop cuit, mais maman disait que c'était parce que papa était arrivé en retard. Alceste était en indien. Geoffroy était habillé complètement en cow-boy. J'en ai encore vu deux. Était arrivé. J'encadre le groupe sujet. Qui est-ce qui était arrivé? Papa. Et je le relis. Geoffroy était habillé. Voilà. Je vais mettre les auxiliaires être en fluorescent. Sont. Ce sont. Étaient. Était. J'ai mis en fluo l'auxiliaire. Donc j'ai bien l'auxiliaire être chaque fois. Accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Souligne le groupe sujet en bleu. Samedi passé, les filles sont allées à Forêt nationale voir leur chanteur préféré. Sont allées les filles. ES. Et je souligne le groupe sujet. Donc c'est du féminin pluriel. Lors de leur sortie cinéma, Juliette et France sont rentrées très tard chez elles. Rentrées. Elles sont rentrées. Et ES. Je souligne. Voilà. En classe, je demande de mettre le sujet en fluo. Vous pouvez faire la même chose à la maison. Ce sont des rappels. Trouvez le sujet d'un verbe. Il paraît que nous sommes invités. Les enfants sont arrivés. Julia et Fatima sont revenues de leur séjour en Australie. Vers 10 h, Valentine est partie chez son médecin pour faire une prise de sang. Mercredi, la fille de ta sœur est venue à la maison pour jouer avec tes enfants. Quand on lit les phrases, on entend l'accord du participe passé. Voilà, je vous laisse pour cet exercice-là. Faites pareil, soulignez le sujet ou, plus facile encore, le mettre en fluo. Ici, il paraît que nous sommes invités au mariage d'Hervé. Nous. Invité. Masculin, pluriel. Juliette et France sont rentrées. Féminin, pluriel. Et ES. Les enfants sont arrivés. Voilà, je vous laisse travailler. Exercice 3 dans chaque série, barre, là où les graphies, incorrectes.
Explique oralement ton choix. Ça, tu peux le faire avec papa, maman. Tu es allé faire du shopping. À ton avis, tu... Alors, c'est sûrement pas ça. Ça pourrait être ça si tu es un garçon. Ça pourrait être ceci si tu es une fille. Tu es allé faire du shopping. Voilà. Complète chaque phrase par un sujet qui convient. Varie la nature. La nature. Tu peux avoir un nom propre. Tu peux avoir un groupe nominal. Tu peux avoir un pronom. Et tu dois à chaque fois regarder le participe passé. Il faudra un sujet au féminin pluriel. Là, un sujet au féminin singulier. Là, quelque chose au pluriel. Ta 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 et toi serez prêt pour les vacances. C'est engagé. Il faut un groupe sujet au féminin singulier. Si l'équipe restait bien soudée, ta 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 serait arrivée en tête du classement. Arrivée. Dans le dessin, coder, coloris. Les participes passés au masculin singulier. Ça peut être et, ça peut être i ou u. Vers, envers, les participes passés au masculin pluriel. Et s, is ou us. En rouge, les participes passés au féminin singulier. Et e, ie, ue. Tu regarderas là-dedans, dans la fleur. En jaune, les participes passés au féminin pluriel. Et es, ies ou ues. Choisis. Six participes passés de l'exercice 5 et replace-les chacun dans une phrase. Utilise l'auxiliaire être obligatoirement. Voilà, donc tu devras faire 6 phrases. Phrase 1. Partie. Maman. Et ma sœur sont partis à Bruxelles. Voilà. Phrase 2, phrase 3 et ainsi de suite. Voilà pour terminer l'activité sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Voilà, bon travail!